Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo revue. Et oui, on m'arrête plus. J'ai encore fini un produit, point de croix. En fait, là, j'ai pas non plus. C'est vraiment tout petit. C'est vraiment un tout petit projet qui m'a pris, allez, 2 jours. C'est vraiment tout petit. C'est vraiment. Voilà, c'est quelque chose que. Une de mes collections, je vous ai déjà présenté, vous savez, le chat dans le cône. Et là, j'ai fait mon petit ours qui lit. Voilà, avec son petit cœur. Donc j'ai pris dans l'ordre que Manon m'avait dit. Donc c'était une toile qui me provient, que j'ai en collaboration avec la société FG Norma. C'est une 19 par 24 en 11 CT. Donc je trouve tout mignon ce petit ours, ce petit ourson en train de faire sa lecture. Donc vous voyez que c'est vraiment tout petit, hein. Donc les petits projets comme ça, c'est vite, c'est rapide à faire, ça reste vite à faire. La couleur que j'ai eu le plus à faire, bah, forcément c'est l'intérieur de l'ours. Et j'ai fait mes couleurs dans l'ordre. Donc ça a été le bleu. Après, ça a été. Que je dise pas de bêtises. J'ai commencé par tout ce qui était bleu. Le 2. Après, j'avais tout ce qui était au niveau du museau, à l'intérieur des oreilles et à sa patte. Le 3, le 3, le 3. C'était quoi le 3? La reliure du livre. Le 4, c'était quoi? Les joues et le cœur. Le 5, c'était tout le contour, donc tout le marron foncé. Le 6, bah, c'était tout le marron de l'ours, hein, le marron plus clair. Et le 7, c'était le blanc, les pages, pour faire les pages. Donc vous voyez, en prenant les couleurs dans l'ordre, voilà, ça a été. Bah, j'ai pris les couleurs dans l'ordre. Parce que pourquoi? Parce que c'est une petite toile et que j'avais envie de les faire dans l'ordre. Mais en général, les petites toiles comme ça. C'est la deuxième que je fais et j'en ai encore une à faire et j'en attends encore hein, pour la collection là parce que je la trouve toute mignonne. Donc c'est agréable à faire. Donc je me suis dit allez hop, la collection est sympa, on complète la collection. Donc j'attends les autres pour finir la collection. Puis c'est rapide à faire, donc ce qui fait que voilà, vous pouvez avoir un produit plus vite. Et puis je me disais, c'est moi, alors moi j'ai pas d'enfants à venir dans mon entourage. Ou alors je suis pas au courant. Mais je me disais un petit truc comme ça, sympa, on peut venir mettre le prénom. Enfin, venir si on le connaît ou pour offrir avec le point de naissance ou des trucs comme ça. Vous voyez, une fois que ça c'est fait, il peut rester vraiment que le prénom à mettre, le poids, l'heure, vous voyez. On peut vraiment faire des petits trucs sympas. Moi, j'ai trouvé ça sympa. C'est, je me suis dit en le brodant, ça pourrait être sympa pour offrir un cadeau de naissance ou quelque chose comme ça. Bon, moi, je ne l'offrirai pas en cadeau de naissance parce que j'ai pas de naissance à venir à ma connaissance. Donc sinon, ouais, ça peut être quelque chose, ça peut peut-être vous donner une idée hein, si vous souhaitez faire la collection ou que vous avez un petit ou une petite à venir, que voilà. Pourquoi pas, ça peut être une idée. Mais c'est franchement quelque chose de très agréable à faire. Dans la première toile, vous avez vous rappelé, c'était le petit chat avec son cône. Je vous ai dit que j'avais galéré à faire enlever les couleurs autour. Alors là, sincèrement, je ne me suis pas embêtée. Je l'ai mis dans l'eau à tremper très très chaude. J'ai été voir au bout de 15-30 minutes et les couleurs autour étaient toujours là. Mais alors là, ça cherchait même pas à baver, il n'y avait rien qui bavait. Ça cherchait, on voyait bien que ça cherchait pas à partir. Donc je me suis dit, bah allez hop, tant pis, on met une dose de lessive, on n'attend pas plus longtemps. Si au bout d'un quart d'heure, une demi-heure, ça bave pas, ça va pas bouger. La toile avec la lessive est quand même restée 3, ouais, 3-4 heures. 3-4 heures avec la lessive en allant mélanger un petit peu. Ensuite, on a changé l'eau quand on voyait que tout était bien parti. Mais encore quelques taches, hein, mais rien de bien. Ça se voit pas. Moi, je le vois parce que je le sais. Je suis sûre, en caméra, vous le voyez pas. C'est même sûr parce que moi, je le vois pas. Donc, après, j'ai rincé, on a changé l'eau. J'ai mis de l'eau claire et puis je l'ai laissé ouais, 1 heure parce que, bah, encore une fois, j'ai oublié ma toile. Ouais. Bon, une fois que la couleur était partie, c'est bon, j'étais rassurée. C'était vraiment pour faire un petit rinçage comme une machine à laver. Donc voilà, ça a été une toile très agréable à faire et très rapide en l'occurrence. Mais faut savoir que cette petite collection-là, faut prévoir de la lessive. Une toute petite, hein, une toute petite noisette de lessive hein, parce que j'ai vraiment pas mis grand chose pour que ça parte. Et puis ça sent bon. Après, ça sent bon. Voilà. Alors, je me suis dit, ça se trouve, je la mets à la machine, mais je la mettrai pas à la machine parce que j'aurais trop eu peur que ça abîme mon motif.
On va regarder les fils restants. Donc, c'est une toile qui était composée de 7 couleurs. Et vous allez voir que j'ai vraiment. Alors, cette société-là, là, franchement, ce fournisseur-là, on ne manque pas de fil. Regardez. Ça, c'était pour faire le livre. Il nous avait mis 2 brins. J'en ai utilisé qu'un. Donc, j'en ai un tout neuf. Donc, c'était pour faire le bleu le plus clair. Donc, vous voyez. La deuxième couleur, c'est pareil, c'était pour faire l'intérieur de la pâte, le museau et les oreilles. Il y avait 2 brins et il m'en reste un tout neuf. Hop. Le bleu, là, eh ben, c'est pour faire la reliure du livre. Et eh ben, c'est pareil. Non, j'avais qu'un brin, mais j'avais largement assez. Il m'a fallu même pas la moitié d'un. Celui-ci, c'était pour faire les joues et le cœur. Il y avait un brin, mais j'ai largement encore de quoi faire. La cinquième, c'était le marron le plus foncé, là, le contour. Il y avait 3 brins, j'en ai utilisé un entier. Le deuxième, il m'a fallu 3 brins, et puis c'est tout. Après, j'en ai encore un entier. Donc, 2 auraient été suffisants. Et franchement, j'ai pas eu peur de manquer. La sixième couleur, c'était pour l'intérieur de l'ours. J'avais 4-5 brins, il m'en reste un complet. Et encore, il m'en reste un complet. Il y en a un. Je ne sais pas comment je l'ai fait. Je l'ai saccagé. J'ai voulu séparer ça, faire big nœud. Je ne pouvais plus rien faire avec le fil. Je me suis dit, bon, bah tant pis. C'est un fil de perdu. Mais j'ai pas été. J'étais en colère contre moi parce qu'en voulant le dédoubler, bah, j'ai fait. Je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai fait n'importe quoi. Je l'aurais voulu le faire. Je ne l'aurais pas fait ce que j'ai fait. Et bah, après, je me suis dit, je ne me suis pas inquiétée parce que je savais très bien qu'il y avait assez de couleurs. C'est pas la première toile que je fais de ce fournisseur-là. Et la septième couleur, c'était pour faire les pages. Il y avait un brin. Et vous vous doutez bien qu'il me reste vraiment encore de quoi faire. Donc, petit ourson qui fait sa petite lecture bien sympathique. Très agréable à faire. Aussi agréable à faire que rapide. Donc, franchement, vous voulez faire un petit projet parce que vous n'avez pas le temps de venir faire un grand projet et puis que vous voulez quelque chose qui se termine assez rapidement, eh ben vous savez que cette petite collection-là, c'est très rapide, c'est assez rapide à faire. Donc vous pouvez venir faire ce petit projet-là dans la voiture, dans le train si vous prenez le train, en voyage, vous voyez. En plus, ça ne prend pas de place parce que c'est vraiment fourni dans des toutes petites pochettes à pression. Donc vous voyez que franchement, ça, hop, dans le sac à main. Alors oui, il faut avoir un sac à main quand même assez grand. Mais hop, ça prend vraiment pas de place. C'est fourni avec le petit motif. Alors moi, je vais le découper pour coller mon étiquette dans mon petit cahier, comme d'habitude. Derrière, on a le patron avec les symboles. Bon, les symboles que l'on voit ici et les symboles qu'on a sur le patron, c'est pas les mêmes. Et on a notre petite réglette de fil. Donc c'est vraiment, franchement, facile à transporter. Donc moi, je remercie la société FG Normal pour la collaboration. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!